dé qui apparaît tout de suite. Nous sommes sur Hogwarts Legacy, seconde VOD. Et il se passe un truc. Enfin non, on a une quête à faire. Enfin on doit aller, on n'a pas une quête à faire, on doit continuer l'introduction avec le professeur Fig là. Qui va nous emmener sûrement notre premier cours, je ne sais quoi. Mais là, il se passe un truc. Du coup, petit réveillio. Et on a ça. Et là, du coup, je vais débloquer un objet. Fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique. Notamment des sirènes de pierre enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Et des gobelins. Des sirènes et des gobelins. Des gobelins qui crachent sur le corps de sirène. Ça a l'air d'être une très bonne soirée. Écoute, je suis curieuse de voir ça. Du coup, on va regarder tout de suite parce que maintenant, en fait, on avait un défi. Il fallait qu'on trouve deux de ces trucs-là. Deux des points d'intérêt. Et du coup, on les a. Deux pages du guide, voilà. On a les lunettes et le prochain, c'est des gants. Je vais attendre encore un petit peu. On va attendre d'avoir fait le premier cours et tout ça. Et après, on regardera les cosmétiques, tout ça. Mais là, il nous attend le Fig. Tu spammes ton sort sur le vide de la salle commune, un truc qui devrait te plaire. Ah bah tu sais quoi, on va tester. J'ai pas encore testé, alors je sais apprendre avec des pincettes. Ok, ça vaut ce que ça vaut. Bon, on va tester quand on se retournera à la salle commune. Ça coûte rien. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler? De toute façon, c'est un truc qu'on va apprendre. Oui, c'est vrai, par contre. Effectivement. Avec le professeur Weasley. Là, pour le moment, dites pas trop. Des trucs qu'on pourrait peut-être apprendre plus tard. Mais peut-être qu'en écoutant les conversations des élèves, si ça se trouve, c'est des infos qu'on peut avoir, ça, les petits trucs. Ok. Vous avez entendu parler d'explorer les ruines? J'espère ne pas en avoir trop dit. Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Bah, en fait, tu lui as dit, je peux pas vous dire la vérité. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Mais pourquoi ? Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait elle comprendrait mieux. Obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Ouais, franchement, c'est des cachotteries pour rien, ça. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. Ok. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé. Rapide, pourquoi tu parles de paix depuis tout à l'heure? Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. On n'en a jamais parlé. Ça sort comme un cheveu sur la soupe. Ok. Les quêtes principales. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitent un certain niveau. Dans ces cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense de quête. Ok. Cours contre les défenses du mal. De façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Des bisous mine, du bon courage pour le travail demain. Je crois qu'une journée chargée vous attend. Début d'aventure à Poudlard. Merci beaucoup, à très bientôt. Après Olar, notamment votre baguette. Ah, ah oui. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. C'est vrai que j'ai pas mon baguette. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. Ah, c'était le médaillon qui voulait garder secret surtout. Écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Comment ça m'abuse? Qu'est-ce qu'elle a m'abuse?
La boussole vous mènera à ce que vous cherchez. Bah merci. C'est gentil, madame la boussole. Maintenant, je peux me promener tranquille. Ta guitare passe à travers ta tunique, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, hein. Bonjour, bonjour. Ça va, Johnny, pas trop? Ah, vous faites la même position. Oh, ok. Tenu un peu quand même. Faites chier un peu, vous, hein. Heureusement, il y a Kenji là qui vous fait un petit. Riff de guitare. Bonjour! Ici, là. J'arrive ici. Il y a un truc qu'il faut que je révèle? Revelio, c'est ça? Oui, il y a Ding! Mais tu as raison, merci beaucoup, l'armure! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est là-haut? Y'en avait un qui avait l'air de s'éclater, c'était qui? Je suis jalouse! Réveillon. Bon. Allez, on y va. Tes applaudissements, ils sont vachement forts, meuf. Tu peux arrêter? Arrête! Arrête! Elle m'énerve, elle. Elle sait pas ce qu'elle applaudit. Elle sait pas ce qu'elle fait là. J'aime pas celle-ci. Parce que c'est comme faction, mais j'aime pas. Bon, allez! Allez, c'est pas tout ça, mais on s'en va. Oui? Ok, j'avance. Non, mais moi, je veux payer un guide. Attends. Je peux y aller. En route pour de nouvelles aventures? Hein? Qui? Qui me parle? J'ai pas reconnu la voix. Faut que je fasse un truc, non, avec ça? Non, c'est bon? Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on y va. Non, c'est bon, une fois que je l'ai vu, c'est que c'est bon. Ah oui, non, mais je viens de là, je crois. C'est ça. Est-ce que le professeur Black a des enfants? Ah oui, du coup, j'ai fait Réveillon là-dessus? Ouais, ça ne... Ah bah oui, si, c'est vrai. Oh! Si, c'est ça. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lenora? Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau... Je connais pas Samantha. Je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ça s'appellerait pas une petite énigme, ça? Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Mais tu avais compris? Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et surtout, découvrir partout dans le château, oui. Si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Il n'est pas en cacahuète, il est la cacahuète vite rapide, oui, effectivement. Réveillon. Mais bon. Ok.
les papillons, ils bougent. Et il y a un énorme symbole de papillon au centre. Si les papillons avaient pas bougé, j'aurais pas pensé. Vu qu'ils bougent, peut-être des papillons. Ou peut-être que c'est un objet. Ou une clé. Une clé en forme de papillus. Est-ce que si je fais Revelio ailleurs? Ah, si c'est pas. Y'a un truc qui vole. Ah, ça vole ça. Oh là là! Oh là là, mais Revelio. Oh, mais y'a plein de trucs. Oh là là, mais y a deux énigmes en... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Et 1, 2, 3. C'est quoi les animaux? On plus 3, ça fait 4. Attendez, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que... Faut regarder par rapport à la position des symboles et après on choisit le bon symbole. Félicitations! J'ai eu mon code! J'ai Anaëlia, merci! Merci de me le dire. Oui, j'ai pas pu te rappeler aujourd'hui. Je vais t'envoyer un petit message pour te dire demain. Pour te dire, je t'appelle demain. Oh, félicitations! Vous pouvez tout applaudir, ma belle sœur qui vient d'avoir son code. Trop fière. Bien joué, Anaïa. Même si j'en doutais en fait tellement pas. Ouais, ça va, c'est super note, 37 sur 40 en plus. Félicitations! Merci beaucoup! GG. Ah ouais, je suis désolée, putain, j'aurais trop dû te rappeler sur le coup, mais je l'ai vu que plus tard. Alors, 11 plus 3, ça fait 14. Oui. Du coup, il manquerait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une sorte de salamandre. Mais là, il y a deux points d'interrogation. Il manque pas un autre... Un autre truc? Là, on a qu'un. Hein. Arrête! Réveillon. Ah ouais, on a un autre là-bas et tout. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Je cuisine pas beaucoup de manière générale. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a trop de trucs à faire. On va peut-être faire la quête principale avant de se disperser dans les milliards d'énigmes. Bravo en tout cas. J'ai juste pas que tu t'inquiètes. Oui, bah oui, vu que tu m'as appelé tout ça, que tu... Je savais pas. Déjà une date pour le permis. Ok. Bon, on va en parler alors. Je t'appelle demain si t'es dispo. Grégoire le Hautain, page du guide. Cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante Grégoire. Une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. Ah, sacré filou! J'aime bien juste faire le truc de la petite nana. Est-ce que je peux agresser des gens? Ça passe à travers. Ça dégoûte. Et en même temps, c'est pas GTA, tu me diras, mais... L'énigme du tableau vide. Ok, c'est ça. Je referai pas la blague. Je referai pas la blague, j'assume à peine. Tu
pense que les enfants de Black... C'est ça là, ça vole de partout. C'est peut-être normal, c'est peut-être de la déco. Genre en mode de ouf, c'est trop la magie, les bouquins ils s'envolent et ils font leur vie. Moi ça me saoulerait perso. Quel plaisir de vous revoir. Oh merci monsieur, mes plaisirs partagés. Je m'en vais là tout de suite, mais en vrai, ravi, de fou. Adorable. Tu le maîtrises à la perfection celui-là. Ah, j'en étais sûre qu'il y en avait un autre. Ok, va voir le chiffre. Alors, deux points d'interrogation. C'est... J'arrive pas à voir ce que c'est et où c'est. Ok, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 10. 17. Ah, 10, ça fait 16, pas 10. 6 plus 10, ça fait 17, bien sûr. Là. Du coup, je dois mettre 1. Et 1, c'est le sort de bébête bizarre là qui fait penser à une bestiole de Star Wars. Oh mais y a pas la bébête bizarre qui fait penser à la bestiole de Star Wars. Ah mince. Alors est-ce que c'est un rapport avec un autre truc? Voilà ça là. J'arrive même pas à reconnaître tous les animaux. Ou alors c'est un rapport avec le nombre de pattes. Merci beaucoup Trapil. J'ai Jana qui a suivi. Merci beaucoup Trapil. Pour le juge à Analia, il a payé pour dire GG. Non merci, c'est très mignon. Est-ce que ce serait pas le nombre de têtes de membres? Athéna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, les Athéna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9. Je sais pas, je regarde les membres, les pattes, des trucs comme ça. 9 plus 4 pattes, je dirais. 3 peut-être. Non, 4. Il est où, le machin d'ailleurs? Je vais dire que c'est 4 pattes, ça. Hein. Ouais. Ok, 13. Du coup, il manque un truc. À 4 pattes, mais il y en a plusieurs des trucs à 4 pattes, non? Ah oui, c'est bizarre ce que je dis, moi. Je viendrai vous informer quand j'aurai la pratique, ça marche. Je sais pas en fait. Et si c'est le nombre de pattes, oh, mais il y a plein de trucs à quatre pattes. Du coup ce serait quoi, nombre de membres? Vu que c'est pas la position, ou alors c'est position inversée, ça ce serait le 1. C'est pas simple. Parce que ça par exemple, je ne saurais pas dire combien de pattes ça. Je dirais qu'il y en a genre 0. Ou alors c'est les cornes. Mais il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Non, ça peut pas être en fonction de l'animal. Il y a des trucs qui sont complètement incompréhensibles. Encourage la Trapile. Attendez, j'ai pas la ref. Le premier, c'est quoi? C'est du coup 3. Bon, c'est bien ça, hein. Ouais, donc c'est bien 14 plus 7, donc ce serait bien ça. Et si c'était à l'envers? 0, 1, 2, 3.
Ou alors ça commence par zéro. La musique est sous de ma gueule, je crois. Oui. Ah, t'as toujours pas trouvé. Et si c'était à l'envers? Non, mais du coup, ce serait ça, hein. Ah bah, oui. Attendez, regardons si c'est à l'envers. Et du coup, 11 plus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ce serait ça. 19. Donc il manquerait 3. Hein? 1 de quoi? Il manquerait 2. Et l'autre côté, si ça c'est à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, ce serait 5, plus 6, pas possible, attendez, on va refaire, je comprends pas la logique là, ouais, je comprends pas la... Ce problème c'est qu'en plus je vois très mal les motifs parfois. Si on fait la logique de base, ce serait 11 plus 1, 2, 3, c'est en troisième position. 14. Il manquerait 7, c'est la salamandre. Mais du coup là-haut ça va pas. Parce que là ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus. Ça c'est 10 normalement. Ça fait 16, donc il en manque un. Mais ce petit gars là, il n'y est pas là-haut. Oh oui, maman. On en a rien à péter, mon gars. Bon, je vais faire licorne, sinon. Parce que licorne, c'est deuxième, peut-être que le 1... C'est genre 0, en fait. J'ai moins bandé. Il y a peut-être un dans un sens et un dans l'autre. Oh bah Sam, je sais pas trop comment... Ouais, effectivement, avec les greffes, ça va être compliqué au niveau des transports de main. Mais tu peux peut-être appeler ton veto et voir pour repousser le truc. Je sais pas si vous avez convenu d'un rendez-vous ou si tu vas en consultation libre. Attendez. Peut-être qu'après, il faut voir en... Genre, l'un et l'inversé de l'autre, peut-être. Alors ça, ce serait bon. Dans le sens, faut voir en sens inverse, mais je crois que c'est pas bon si c'est en sens inverse non plus. Il y a pas assez. 1 plus 1, 2, 4, 5 et 6. Oui, il y a pas 11 trucs, donc c'est pas bon. Ce que je me dis, la position, elle doit peut-être jouer.
Attendez, je fais un petit coup de ça. C'est blindé, il m'a fallu un mois. Ah oui, d'accord. Je suis un peu couillonne, hein. Désolée, vous avez peut-être la logique. Moi, je sais pas trop. C'est une soustraction ? L'autre ? Ah non, mais ça... C'est encore moins de sens. Vu que c'est à l'inverse, peut-être ? Genre... Ah, 21. Attends. Toi, cupide. Si c'est... Imaginons qu'il y a une soustraction. Ça n'a aucun sens. Oula, ça fait ding. Mince. Oula, j'ai fait un truc, je sais même pas comment j'ai fait. Faut sauter et tout. À la base, je vais voir par rapport au miroir là et je suis tellement éloignée du miroir. Qu'est-ce que c'est ça? Je fais ça, il y avait quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est? Je vous suggérais d'interdire la magie au sein de la bibliothèque. Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve. Et Cressida Bloom semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle. Et elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant. Pif lui-même fait pâle figure à côté d'une telle fauteuse de troubles. Oh, ça faute des troubles. Rébellion. Oh, mais c'est la... Oh. Il danse à la BU. Ne sont-ce pas ravissants? Des fantômes, ouais. Vous savez que vous êtes morts. Il y a un coffre là-bas. Il y a des dings partout. Non mais, trop de trucs à faire. Hein. Oh, regardez là-bas, ça brille aussi. Ah, bonjour. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Oui. Et ça voyage beaucoup, une statue ? Mural ? Je pense pas. Non mais y'a trop de trucs derrière tout. Oh, regardez ça là. Y'en a un truc derrière, je suis sûre, quasi, presque, peut-être. Ah non, un truc là. Non mais j'ai trop de têtes. Ah, oh, y'a du... Moi je pense que le feu ça me fait rien. Hein ? Un tableau statue, ouais. Perso, j'ai juste remarqué un truc, mais pas sûr que ça aide. Est-ce que tu penses... Est-ce que si tu spoil, genre t'as vu la soluce ou est-ce que, voilà... Si c'est, si vous voulez réfléchir avec moi, je veux bien. Moi, je veux bien écouter vos suggestions, je trouve ça plus sympa. Bonsoir, Damon. Non, mais c'est pas ça. Attendez, c'est l'énigme du bas, moi, qui m'intéresse. Parce que je me sens stupide. Ah, c'était pas là. C'est un cadenas, c'est au niveau 1. Accrocheté, normal. Il y a un coffre aussi. Oh, des coffres partout. Si on nous apprenait simplement... Ouais, tout simplement des symboles de 1 à 9. C'est de 1 à 10. Bah si, mais en fait ça marche pas. Parce que... Je lag, je sais pas pourquoi là ça lag. Imaginons c'est de 1 à 9. Là, pour atteindre... Enfin, c'est de 1 à 10 en fait. Il y a 10 symboles. Et du coup, là, pour atteindre 17, il faudrait pouvoir mettre 1, à savoir ce personnage. Le truc, c'est que le 1, c'est là-haut.
En fait, il apparaît pas, ce personnage-là. Parce que les propositions dans cette roue-là, eh ben, elles sont limitées. J'en ai que 5 différentes, et du coup, bah, j'ai pas toutes celles qu'il me faut. De 0 à 9, même en faisant de 0 à 9, c'est pas bon. Ce que je me disais aussi, dans ce cas-là, le 1, c'est la licorne. Et le truc, c'est que ça voudrait dire que si c'est de 0 à 9, ça voudrait dire que c'est cette bestiole chelou là, en 3ème au-dessus de moi, qui est là, sauf que cette bestiole chelou n'est pas là non plus. Voilà. Merci Kajta, c'est sympa. C'est ça, on réfléchit ensemble. L'autre bar. Les carrés magiques à l'école. Je sais pas ce que c'est les carrés magiques à l'école. Ouais, elle est en ville Trapil. À Toulouse. Bon, c'est, voilà, c'est une grande ville, hein, donc je sais que je peux dire ça, mais... sans préciser, tout va bien. Je l'ai pas totalement réussi. Attendez, si je fais Revelio ici, j'aurai un petit indice. Pour être honnête, cette énigme, j'ai vu un streamer au moment où il a résolu le truc, mais c'était pas celle-là, c'était une autre. Et j'ai pas du tout vu comment il avait fait tout ça, je regardais d'autres trucs à côté, j'étais pas trop concentré. C'est pas plus mal, ça nous fait chercher, mais du coup ça nous aurait épargné un petit peu de temps. T'as quoi comme symbole en haut? Alors le symbole en haut, j'ai la licorne, j'ai une sorte de poulpe, mais je me dis c'est peut-être après avec le nombre de pattes, mais des créatures où j'arrive pas à voir s'ils ont des pattes ou pas. Genre est-ce qu'il faut compter la licorne comme une créature avec 4 pattes, ou est-ce qu'il faut compter la licorne comme là, il n'y a pas de pattes à enfin, au symbole, mais il y a une corne, mais voilà, je sais pas. Là par exemple il y a 3 têtes, peut-être le nombre de têtes. Là par exemple il y a 3 pattes, ah non on a 5. Là on a 4. Attendez, c'est peut-être vraiment le nombre de pattes. Mais des trucs, je sais pas combien de nombre de pattes ils ont, genre... Parce que ça, je sais pas ce que c'est. Nombre de têtes? Nombre de trucs? Bah non, mais la chouette. Et la licorne et cette petite merde, ça serait la même chose. Neuf. Huit. Je saurais pas dire. La chouette, je vais voir. Mince. Imaginons ça, c'est 4. Ça, c'est 8. Ça, je ne sais pas. Ça se trouve, faut peut-être. J'ai fait ce genre d'énigme. Non, c'est la première fois. Bah sinon, je pense que je serai. En bas le père et en bas des impairs. D'accord. Mais ça change pas que s'il faut atteindre cette somme, bah j'ai aucun moyen de le faire. Juste petite info démon parce que je viens à peine de commencer le jeu. Est-ce que c'est le genre d'énigme où il faut connaître le lore? Voilà, je vais demander ça. Est-ce qu'il faut connaître le lore et les créatures pour résoudre cette énigme? Parce que ça, moi, je connais pas, donc ça va être compliqué. Et sinon, est-ce que en avançant dans le jeu, j'aurai plus d'infos pour la faire plus tard? Voilà. Désolée, c'est beaucoup de questions, mais c'est pour savoir si je perds du temps maintenant ou pas, ou si je peux la résoudre maintenant avec les connaissances que j'ai ou pas. Voilà, en gros. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Sachant que je connais assez mal le lore d'Harry Potter, et par exemple, certaines de ces créatures, comme cette petite merde qui est en bas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ou ça. Ça, là, je sais pas. Ultokotsu aussi. On
Ouais, ouais, bah c'est ce qu'on pense aussi, Daemon. C'est 0 à 9. Ouais, d'accord, mais le symbole en haut, c'est pas bon. Même en inversant. Moi aussi, hein, je m'étais dit ça. Sauf que là-haut, ça colle pas. Parce que si je mets l'araignée, ça marche pas. Et en fait, le truc, c'est que si c'est 0 à 9, bah au-dessus, on est sur du 1, 2, plus 11, ça fait 13. Oui, c'est ça. On est sur du 1, 2, du coup. Oui, celui-là, il ne compte pas. Donc, ah oui, attendez, je vais recompter. 1, 2. 13, du coup. Ce serait... Ce serait 8, c'est ça? Et 8, c'est... Attends, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ce serait l'araignée. Est-ce qu'elle est là, l'araignée? Ah ouais. Et du coup, si c'est 0 à 9, ça c'est 1. 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Le T9, donc ça fait 14. Donc ce serait 3. Est-ce que je peux le faire 1, 2, 3 là-bas? C'est la sorte de chèvre pour atteindre 17. Bah non, elle y est pas. Dans l'ordre autour de la porte. Ah, ils sont pas dans l'ordre autour de la porte. Ah, en gros... Ce serait pas le bon ordre. Ah. 1. La pieuvre. Mais pourquoi la pieuvre? J'aimerais bien faire du lèche-vaisselle après Ola. C'est ça ou c'est l'autre? C'est ça la pieuvre. Il me manque 2. Oui, il me manque 3. Ouais, je sais, mais 3. Ah, du coup, tu penses que c'est inversé, c'est ça? Que là, ce serait dans l'autre ordre. Alors, si c'est dans l'autre ordre... Mais oui, pourquoi 3? Parce que si c'est dans l'autre ordre, dans ce cas-là, faut compter autrement. 1, 2... Non, bah non, 0. 1, 2, 3. Là, ça fait 4. 4 plus 0, pour atteindre 17, ça va quand même être compliqué, quoi. L'hydre. Ah oui, l'hydre! Mais oui, t'as raison, 3, moi j'étais... Oh non, t'as raison, c'est l'hydre! Oui, 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 alors pardon. Je comptais encore à partir de celui-là, et du coup, je pensais à la chèvre chelou. Oui, oui, c'est l'hydre. Je pense que c'est complètement l'hydre. Si on part de 0 à... Si on part de 0, ce qui est bizarre, mais... plutôt... Celle-là, effectivement. Parfois, j'aimerais avoir... Ah, c'est l'hydre que t'appelles une pieuvre. Ah, je t'avoue. Ok, c'est bien ça. Bon, ok. Merci de m'avoir fait remarquer à des trucs. Merci beaucoup. C'est un peu trop long, quand même. Non, c'est sympa de faire ça à plusieurs. Arbre de Noël! C'est-à-dire que j'ai des... Oui, il y a des éléments de décor que je pourrais poser. Je me disais que c'était sûrement le cas, mais c'est fantastique. Merci beaucoup. Pourquoi à partir de 0? Bah, voilà. Pour que tu galères plus. Tout simplement, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre raison. Oh! Mais attends... Faut peut-être que je monte. Alors que je suive. Découvrir le château, le secret. Ah, faut que je suive. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Je
Pas jusqu'à là, et après. Mais le jeu il me troll, il me fait faire une boucle. Pourquoi il fait ça? Quelqu'un va forcément résoudre sous peu l'énigme du tableau. Je pense que 1-9 c'est limite. Non, c'est bon, hein. C'était ça, c'était de 1-9, hein. That's good. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le. Ok. Attendez, j'ai pas compris un truc. Il m'indique le. Ah oui, il m'indique toujours, peu importe où je suis, le tableau. J'aimerais juste qu'il se dépêche de nous donner cette rédaction sur le loup-garou. Ah merde, je pensais trop que j'avais un. J'ai failli dire un indice. Je suis un peu triste. Réveillon. J'ai quoi comme sort? J'ai Réveillon et j'ai ça. Et j'ai allumé de la lumière. Protego. Ah oui, j'ai Protego et j'ai allumé de la lumière aussi. Mais j'ai pas fait un seul cours encore. Réveillon. Mais du coup, moi je pense qu'il faut que je trouve une clé en forme de papillon. Quoi? Ah, j'y vais. Merci. Oh, une écharpe celtique. Eh, on va se faire un look. Faut peut-être que je bouge de salle, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai que je vais pas parler trop à la fille de l'enquête. Ce jeu est incroyable. Pour le moment, ce jeu est très cool, hein. Honnêtement, j'ai envie d'y jouer toute la night. Donc voilà. Mais oui, t'as raison, faut que je reparle à la meuf. Attendez. Me spoilie rien, hein, Je vais parler à la nana. Tellement de trucs à faire, mais oui. Après, on va aller en cours. Bonjour, Lenora. Tu pourrais me rappeler ce qu'il a de si spécial? J'avoue que je l'écoutais pas bien. À vrai dire, il n'est pas forcément spécial. C'est simplement une sorte d'énigme que j'essaye de résoudre. Tu peux y jeter un œil si tu veux. Peut-être que tu apercevras un indice que j'ai manqué. Ah, me dire un plus. Écoute, on va tester tous les sorts. Effectivement, je peux tester l'humo, on va tester l'humo. Lumos. Cet endroit doit être un indice. D'accord, je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Bah un petit peu, oui. Le monsieur avec le bidon. Ah bah il m'indique par contre. C'est dommage que le jeu m'indique ça. J'aime bien chercher les endroits tout seul comme dans Sea of Thieves. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Je vais te guider jusqu'à ton cadre. Oh, le papillon s'est arrêté. Je pensais que ce serait une clé. Je dois peut-être continuer de lui lancer l'humos. Ok. Ah oui, faut que je le guide. Bah oui, Lumos, ça sert aussi de guide, effectivement. De ce que j'ai cru m'apercevoir en jouant. Attendez, je sais plus des touches. Lumos. Pardon. Oh, petit papillus. Oh, moi je veux le garder, c'est mon copain. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Peut-être que ce sera d'autres bébêtes à aller chercher un moment. Oh, il disparaît. À moi, triste. Je vais parler à Lenora. Bah, me dis pas trop, Damon. Je vais découvrir de toute façon. Lenora, j'ai résolu. Non, j'ai pas distingué. J'avoue, j'ai cru, j'ai eu peur. Comment? Avec Lumos. Non, mais je vais pas dire ça, c'est vrai. L'endroit représenté sur le tableau. Ah, j'ai froid, mais par contre. Guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Je mets un petit plaid parce que le froid commence à se faire sentir. Même si la tendance à... Bon, ça va être trop cool, hein. Résoudre les énigmes et tout, je suis à chier, hein, mais ça va être trop marrant. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. On dirait un peu des mythes, des papillons de nuit. Mais c'est trop mignon. Ok, promis, là, on va suivre un cours. On va faire la vraie quête. Ah oui, j'ai rien. Alors, attendez. Une sérieuse alliée chez Serpentard. Ah, tout à fait. Tout à fait. Non, j'aime bien. Je trouve ça... Ah, équipement. Est-ce qu'on se fait un swag maintenant? Allez, pour notre premier cours, il faut qu'on en impose. Je vais faire maintenant. Ah. Il y a des types d'équipements, regardez. De bonne facture, de bonne facture. Je peux avoir une écharpe. J'en ai trois.
pourquoi pas. Et Celtic, c'est exceptionnel. Mais ça me donne des trucs offensifs et tout. Mais c'est trop bien. Des gants. En cœur noir. Ouais. Des lunettes. Non, mais je veux pas les lunettes d'Harry Potter. Ça va bien. Pas déconner. Petit chapeau. Petit béret. Affreux. Super. Tous mes cheveux rentrent dedans. C'est génial. Aucune femme ne porte un béret comme ça. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que je peux mettre des runes. Comment j'ai accès aux équipements? La version de luxe. Comme Royal. Attendez, je vais faire ça et comme ça, on va voir. Voilà. Ah, collection peut-être. Peut-être que c'est pas tout de suite, mais ça m'étonne vu que je peux déjà me changer. Bah je sais pas. Je sais que j'ai des trucs de la version du luxe, mais j'ai pas accès. Peut-être que c'est dans mon chez-moi. Hibou Express. Inventaire. Ah oui, en bonus préco, effectivement, en plus de pouvoir jouer plus tôt, tu as un hippogriffe. Effectivement. Et puis là, il y a une tenue que je voudrais vous montrer d'ailleurs, mais je ne sais pas du tout comment, je suis désolée. Est-ce que vous savez ceux qui ont déjà joué? Tiens, on va sauvegarder, ça fait très longtemps. Genre, jamais sauvegarder en fait. Dans les récompenses. Oui, récompense. Pourquoi j'ai le point d'exclamation? Oh, voilà, hop. Voilà. J'ai une entrée de jeu. Paramètres? Paramètres. Dans bah non, c'est pas dans collection. Mais c'est où les récompenses? Oh! Bah alors? Ah, faut que je les récolte dans les défis. Non? Quête. Je comprends R. Bah là, par exemple, il y avait une tenue que j'avais pas. Mais les filles, ouais, mais là, j'ai rien. Bonne nuit, des bisous! Non, mais peut-être dans collection. Parce que là, dans collection, j'ai vu un truc que j'avais... Voilà. Peut-être que vraiment, j'allais chercher un truc avant, non? Oh, là! Bah, elles sont là, regardez, ton tenue additionnelle, elles sont là. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour me les mettre, le jeu? Les tenues, je parle. Et là, maintenant, elles sont peut-être débloquées, maintenant que je les ai vues dans collection. Je sais pas, là. Bah, pas du tout. Pas du tout, là, qu'est-ce que t'as cru? Équipement 8 sur 20. Que j'ai pas là. Comparer. Je veux pas.
Inventaire. Trop bizarre, non? Pourquoi moi je sais pas? Peut-être que j'ai pas assez avancé dans le jeu, hein. Mais ça m'étonne quand même. Genre là, je les ai vus dans collection. Je peux pas les enfiler. Mais je suis peut-être trop tôt. Genre j'ai même pas fait encore mon premier cours, alors peut-être qu'il faut que je fasse mon premier cours. Je sais pas. Écoutez, hein. On va faire notre premier cours. Je verrai après. Même si vu que je peux me changer, je trouve ça bizarre, mais écoutez, j'ai pas la solution tout de suite. Ah. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui insulte? Moi, je l'éclate. Je suis perdu, je crois. Je voulais pas du tout aller ici. C'est pas grave, je vais m'occuper comme je peux. Oh, je peux pas celle-là, ça dégoûte. Je peux plus. Voilà. Australie, ouais, je l'ai fait. J'adore que tout bouge, tout soit vivant. Ah, c'est là-bas. Je ne m'y rends pas du tout. Quoique si, j'ai traversé le pont. Il y a des chargements. C'est pas genre une grande map chargée, c'est vraiment des zones séparées. Et je monte alors que je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Franchement, à force, je pense que je vais atteindre mon point. On est où là? C'est joli, hein. Oh, il y a une taupe! J'ai joué moi, Osef la fatigue. Des bisous Daemon. J'espère que j'aurais bien mes tenues, hein. J'espère que j'aurais des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Les escaliers savent pas ce qu'ils doivent faire. Oh, c'est classe. Oh, il y a les compteurs de points. Oh non, mais le serpentard est tellement beau. Serre d'aigle est bien. C'est quoi, c'est pouf tout celui-là? Mais il est trop beau aussi. Gryffondor est joli, mais trop classique. C'est mon moins préféré. Je crois que mon plus préféré, c'est peut-être pouf souffle. Et après, serpentard, serre d'aigle, j'aime bien. Mais je crois que je préfère serpentard. Oui, Réveillon. Les grands sabliers ornementés, contenant des rubis, des diamants, des saphirs et des émeraudes, sont enchantés afin de tenir compte des points de la des maisons Gryffondor, Poufsouf, Serre d'Aigle et Serpentard. Ouais. Donc il y a besoin de compter des points avec des diamants. Quelle bande de précieux à Poudlard. Oh, c'est trop joli. Ah, j'ai découvert un truc, ok. Je peux aller là? Ah merci. Alors parce qu'il faut que je me rende là-bas moi. En fait je crois que je me suis un petit peu... Je me perds un peu partout moi.
Oh, je vais me TP en fait. Tour des professeurs. Bah, je débloque des flammes, c'est bien. Ok, si c'est. Un petit coffre comme ça, uniforme de préfète décontracté, mais j'aime bien ça. Oh non, j'ai... ça me gratouille. Qu'est-ce qui se passe? Protego. Revelio. Oh non, ça me gratouille, d'accord, ça va durer quelques temps. C'est quoi qui fait ce bruit? Ok, je voulais aller vers la... Vers la source du bruit, je pars ici. Par contre, la musique, quoi. C'est trop cool. J'ai sélectionné une autre composition pour vous. Elle a été créée bien avant que nous ne soyons pas. Ah, on est potes. Il a dit potes, c'est ça? Non, je pense qu'il a dit autre chose. La salle de musique. Si c'est ça. Revelio. Représente. La carte représente. Argyllshire, j'imagine que ça se prononce comme ça, j'en sais rien. La région d'Écosse dans laquelle se trouvent les Hébrides. Finesse, je vais y arriver. La terre native des dragons noirs. Des Hébrides. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait... Il faut des foufous. Et ça lag. Est-ce que vous voulez? Je ne peux pas faire ça pour l'éternité. Oh, elles veulent violer pour l'éternité, c'est méchant. Par contre, là, maintenant, il n'y a plus du tout... C'est ultra laggy, là. Ah, oh non, pas encore. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Pives, arrête! Je vais être en retard. Et gros Pives, continue, j'aime bien ce que tu fais. Et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Le plongeon. Je te le ferai payer. Que dalle, tu feras que dalle. C'est génial, Pibs. J'ai adoré. Re, j'ai bien dormi. Oui, et toi? Il est tôt encore. Oh punaise, c'est là qu'il fallait que j'aille. Regardez, là, c'est dommage parce que quand on arrive, les couleurs sont intenses et après elles ne le sont plus. Allez, là, c'est intense. Hop, ça l'est plus. Brume. Alors d'accord, c'est parce qu'elle a beau... Oh, du jeu avec des balais. Oh, du monde. C'est beau. Voilà. J'aime beaucoup ce décor. Franchement, je fais pareil dans Planet Zoo avec les pierres. Oh, ça fait du Quidditch. Ah dommage, ça fait pas de bruit quand il passe à côté de moi alors que ça serait très cool. Ça fait une sieste, petit Bloody, du coup. Ah. D'accord. Comment je monte là? Ça me saoule. Je comprends rien à cette école. Ah. Oh, comme c'est classe. Regardez ça. Non. J'y cru. Oh, c'est un instrument qui joue tout seul. Imperturbable.
J'y arrivais. Lumos. J'allume le briquet. Non, bah je préfère bien voir. Non, je pensais que ça révélerait une carte, un truc là, enfin les cartes, les contrats, je ne sais quoi, les trucs qu'on signe là. Oh, moins chaud. On le caresse pas dans le bon sens. Oh, des chatons. Mais les chatons, c'est pas aussi des humains parfois dans Harry Potter? Parce que là aussi bien, je caresse une prof de 63 ans quoi. Oh, pas grave. Tant mieux si elle kiffe. Ça peut, oui. Ouais, c'est ça, hein, je me rappelais. C'était McGonagall qui se transforme en bestiole. Je me rappelle des premiers films. Je me rappelle plus trop des films après, mais les premiers, je me rappelle. Si je faisais ça. Non. Je n'ai aucune idée de comment monter à l'étage. Je vais... Oh non, il y a encore un truc avec des petites bébêtes. J'ai obligé de le faire vu que je l'ai vu. Ça fait digne là-bas. Moi je suis sûre que ce sera là. Ouais, c'est complètement un truc bizarre ici. Ah non, faut que je fasse le mot, je suis con. Je me suis trompé de magie, désolé. Lumos. Doit être là-bas, ça. Je sais pas, j'ai pas vu ça. C'est joli. Un tableau, un grand tableau. Désolé, faut que j'aille à mon cours. Je sais pas comment m'y rendre. Mais du coup, je vais me TP au plus près et on va y arriver. Oh bah c'est là. Il y a un cours là en tout cas. En route pour de nouvelles aventures ? Oui. Allez, on y va. Oh, il y a des yeux. Revelio. Let's go. Stupéfix. Oh, ça se bat, ça se bat. Stupéfix. Alors si, tu as capacité de transformer un animal, ça c'est rare. Ouais, ouais, ouais. Levioso. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. Je suis d'accord. C'est un souvenir tout. De l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être baisser un petit peu les graphismes. Une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Désolé pour les lags, hein, Levioso, un sortilège de lévitation. Levioso. Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Bah, elle a toujours sa baguette à la main quand même. Hein. Basiquement, il peut le faire, il est juste à un mètre du sol. C'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Bonjour, je me présente, je suis la nouvelle. Oh oui! Let's go. Levioso. Essayons quelque chose de plus compliqué. Désolé, j'ai envie de tousser.
Commençons par le lancer de base. Ah ouais, pas cool ça. Assez chiant tout ça quand même. Ça tombe très mal. Ouais ? Ça marche pas ? Ah ! Mais non, mais sort de base la touche que je fais d'habitude. RT. C'est quoi ? Non, c'est mon jeu qui lag, hein, c'est pas... C'est vraiment dans le jeu, hein. Ah non, mais il lag, il y a plein de scènes qui lag dans le jeu, et c'est moi qui le vois, c'est pas sur le stream que ça lag, c'est mon jeu vraiment qui lag. Je pense que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Bah oui, non mais c'est les jeux de maintenant, de toute façon ils sont plus jamais optimisés pour PC. Maintenant on peut avoir des machines de guerre, ça ne sert à rien. De quoi ? Non. Mais beaucoup, surtout les cinématiques, ouais. De quoi ? Le post-processing. Dans le premier truc. Non mais ils sont vraiment en disant des trucs. Oh bon, il est parti déjà. Regarde pour les cinématiques. Voilà, il n'y a rien pour les cinématiques. Merci pour ton aide. On avait 5 peut-être. Voilà. On va désactiver. Y'a... Non mais dis-moi comment ça s'appelle. Je vois pas un truc qui s'appelle le truc pour les cinématiques. Ça c'est un filtre. Aberration chromatique peut-être. Plus... Je sais pas. Tu pars en me criant un truc de loin, je sais pas ce que c'est. C'est ça? Voilà, du coup je vais attendre qu'il me réponde. Bon, merci pour ton aide Royal, hein. C'est super utile. Alors. Je vais pas m'amuser à attendre des heures. On va faire des trucs. On va mettre en moyen. Parce que ça galère. Voilà. On va appliquer. C'est l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'on a beaucoup de monde, c'est ça que ça fait, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins de monde dans Poudlard, mais tant pis. En fait, j'ai pas de sort, j'ai Clumos. Mais il veut pas le faire. Ouais, la touche ne marche pas. Cette fois, du faire avec la souris. Puis enchaîner avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Bien. À présent, le lancer de base. Oui, le lancer de base. Ah, faut spammer. Je l'ai fait tout à l'heure, mais ok. Ok. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Let's go. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Ah, c'est bien. Sébastien. Salut Sébastien. En utilisant Levioso. C'est le poteau lui. De base et Protego. Vous pouvez y aller. Protego.
Ça devrait être facile. Tu es doué. Quelle perspicacité. Attends. J'arrive pas à faire Protego quand je fais. Chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je n'arrive pas à croire que ce soit son premier duel. Protego. C'est juste que j'apprends vite. Leviosa. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Les duels animés sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Oui, effectivement, sur un stand gaming, il y en a qui se localisent ailleurs pour ne pas être taxé. Le seul risque, et c'en est un qui est là, c'est s'il y a un contrôle fiscal. Merci, si vous avez un contrôle fiscal. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge parce que vous m'avez montré. C'est pas légal quand même. Vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, oui, j'en c'est affronté une toute autre histoire. Enfin, non, j'ai affronté des armures. À la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je pense qu'en mettant moins de gens, ça va être un peu plus... Il est déjà terminé le cours ? Le cours de 2 minutes ? Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile. Mais... Il est ce n'est peut-être pas ton premier duel. Comment tu fais du coup ? Bah du coup, c'est au moment de la facturation, il va te demander dans quel pays tu es. Tu dois dire dans quel pays tu es. Voilà. Tout simplement. Je vais utiliser ma baguette en combat, c'est vrai. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la prends motivation pas, mal. Et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Clandestin. On le dit pas expressément, ça normalement on dirait un petit peu caché. C'est clandestin. C'est que normalement on doit pas le faire. Ça m'intrigue. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu arrêtez de dire le mot clandestin. Si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Clandestin. Tu veux faire des choses clandestines. J'ai fait mon premier cours, est-ce que je peux me changer? Peut-être qu'il faut que je relance le jeu, hein. Légendaire. Mais moi je comprends pas. Mais j'ai toujours pas accès au truc. Je vais regarder hein. Attendez, ça m'énerve parce que je veux les avoir. Ah oui, faudrait que je vois aussi si ma capture d'écran. Je crois que c'est un peu moins gourmand, je sais pas. Je vais regarder comment avoir. Attendez, obtenir. Quoi ? C'est tenue. Tenue. Hogwarts Legacy.
de luxe. Voilà, débloquer tenue. Je vais mettre débloquer. Parce que bah, je veux savoir s'il faut que je fasse un truc. Damon, il m'a dit, moi, je les avais direct. Comment changer d'apparence? Attendez, je veux plutôt que d'avoir... Ah, y'a... Comment... Oh, y'a un casque. Mais je veux avoir un casque. J'ai même pas vu qu'il y avait des casques. L'option tout à... Oh, la musique, elle est magnifique. Elle est pas trop forte. Elle est un peu forte pour moi, mais ça va. Non, mais je sais pas. Ah, comment obtenir les tenues digitales de luxe? Après avoir compris cela, guide de terrain. Ouvrir votre inventaire accéderait simplement à partir de la 1. Ah, attends. Faut que je suive les instructions. Le guide de terrain. C'est ça? Elle est dans votre inventaire, mais je sais pas. Hein. Je suis goûteux. Mais peut-être qu'il faut que je continue. Visage. Ah, c'est accessoire de visage, c'est ça les casques. Le clandestin, exactement. Ouais, bah je fais comme tout le monde, ça, moi. Mais légalement, je ne vous y encourage en aucun cas. Pas déconner. Bah je ne sais pas. Tu reluches jusqu'à ce que vous receviez votre guide de terrain du professeur Gisley. Ensuite, après avoir compris cela, guide de terrain, vous ouvrirez votre inventaire et accéderez simplement à partir de là. C'est quoi le guide du terrain? C'est ce que j'ai là? J'imagine, hein. Ah non, mais c'est pas bon. Sauvegarder, relancer, parce que je veux mes putains de tenues en fait. Pourquoi les autres ils l'ont et moi je l'ai pas? Ah, bugué, j'ai même pas les trucs de luxe. Ah si, je l'ai en plus, on le voit dans collection. Mais alors, il y a un souci. Je veux tout ça. Option de changement d'apparence. Équipement. Accessible depuis le menu équipement. L'apparence se dévore en tant que récompense pour avoir réalisé des prouesses. Option de quoi? Il y avait un œil, mais je vois rien avec un œil. Il manque des options, c'est pas possible. Oui, il y avait de la... J'avais vu qu'il y avait de la transmo. Ah bon, moi je vois. Hein. Bon, moi on va avancer. Peut-être qu'à la fin du jeu, je pourrais changer d'équipement. Ouais, bon, désolé, mais je suis un peu contrarié là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Oh, mais c'est des... En fait, c'est des sorciers et sorcières qui sont connus et qui, du coup, se réincarnent en statue et ne bougent plus jamais de toute leur mort. Mais cela dit, bon, ça pourrait être pire peut-être. Oh... Réveillon. Très beau.
vérifier aux endroits d'intérêt, là, au point d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te tape ? J'y ai cru. Ouais, je vais peut-être relancer le jeu. Franchement, je crois que je vais relancer maintenant. Ça me frustre. Désolée, je relance maintenant, mais parce que je veux mes tenues. Ça va le chat ? Oh, ça va super. Il est vraiment cool. Pour le moment, il est trop cool. Pour le moment, il s'arrête pas aussi. Limite, j'arrête la VOD là-dessus. Parce qu'il met du temps à s'arrêter, je crois. Je force un peu l'arrêt parce que. Si ça veut pas. Ah, voilà. Ça sert à rien de me demander si t'as le droit de lancer le jeu. Hein. Je clique sur jouer quand même. Bon, mon jeu il se lance pas. Bon, bah bisous VOD, hein.